Hi tout le monde, c'est Sous-Téphane, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le quatrième épisode de notre Let's Play sur Yu-Gi-Oh! Tag Force spécial. Donc, c'est parti. Donc voilà, on se retrouve dans le jeu. Donc la dernière fois, je vous avais laissé, dans le troisième épisode, je vous avais dit que de mon côté, je ferai quelques duels pour avoir le cœur complet pour commencer le premier événement de Yugi. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et donc, ben, tout de suite, on y va. Donc, c'est parti. Sous-Téphane. Ouais, bien sûr, le japonais. Ça va être compliqué pour moi de lire. Donc, en tout cas, j'espère que ça va autant vous plaire comme les trois premiers épisodes. Là, je vais essayer de retourner trois épisodes à la suite. Et voilà, je vais faire en série de trois épisodes. Je pense que ça peut faire bien comme ça. Par contre, désolé. La petite pause qui a eu entre les deux. Mais je vais essayer de me rattraper, vous inquiétez pas. Insecteur Aga. Donc là, on se trouve sur le bateau quand que Yugi va au royaume des duellistes. Et là, quand qu'Insecteur Aga lui balance ses parties d'Exodia à Yugi à la mer. Non! Donc là, on arrive au royaume de Dilis. Pegasus, il fait sa présentation, etc. Donc je pense qu'on va combattre Insecteur Aga en premier, je pense. Avec Mako, peut-être? Comme c'est un jeu duel tag. Donc ça, pour l'instant, pas de bug du son du jeu. Donc ce qui est plutôt bien. Donc aussi, je voulais dire, j'ai créé mon groupe Facebook Yu-Gi-Oh! Donc où là, on peut, vous pouvez mettre vos échanges, vos ventes, discuter, etc. Vous mettre vos chaînes YouTube, le lien de vos vidéos. Bien sûr, faut que ça reste dans l'univers Yu-Gi-Oh! Donc n'hésitez pas à les voir, je mettrai le lien dans la description. Duel. Ça va, j'ai pas une très mauvaise main. Ma main est correcte. Donc c'est dommage qu'Insecteur Aga parle pas. Mako non plus, je pense pas qu'il doit parler. Ah, cylindre magique. Et un dimension magique. Ok. C'est pas trop mal, donc cylindre magique permet de renvoyer l'attaque de notre adversaire sur ses points de vie. Et dimension magique permet en fait, quand on a un magicien dans ma main et sur le terrain, on peut sacrifier notre magicien sur le terrain pour invoquer celui qu'on a dans notre main et détruire un monstre de l'adversaire. Ah non, mais là ce qu'il a fait, c'est un coup vache là. Un petit Kuribo? Non, pas de Kuribo. Ah si, il parle Mako. Ah, ça c'est bien ça. Ah ben non, bah, il avait parlé un instant. C'était pas la voix de Yugi. Mais je comprends pas. Ah ben c'est tout, c'est pas grave. Ouais. Par contre, là, je suis un peu... Ouais. Je suis un peu deg qui nous a tout détruit. Parce que là, on se retrouve dans la merde. Et puis moi, j'ai trop rien pour contre-attaquer. Oh là là, la vache. Putain, il a vraiment un effet cheaté. Oh,
Toro. Allez, Yuji. Ah, yes. Ouh. Ah, c'est beau, ça. Ah non, ma couille parle pas, en fait. Elle a un petit monstre. Ah, yes. Enfin. Non. Non. Putain, abusé, là. Bon, c'est pas grave. On va poser la polymérisation, si jamais. Qui que soit que Yugi a, a des monstres pour fusionner, on sait jamais. Voilà, c'est bon. Allez, avant qu'un monstre. Oh, c'est beau ça! Yosh! Allez, on remonte là. Tan Henda. Ah, yes. Toro. Un petit trou noir, pourquoi pas. Qu'on va attaquer. Donc, on sait jamais au cas où qui nous détruit notre soldat de l'éclat maléfique. Ouais. On a un trou noir. Donc pour nous sauver la vie. Là on a une petite renaissance. Renaissance du monstre. Une force miroir. Donc ça c'est bien. Allez Yugi, fini. Et c'est gagné. You win. Quelle belle victoire, quelle remontée dans ce duel, c'est magnifique. Donc j'espère que vous entendrez bien le son du jeu. Donc j'ai fait un test juste avant, normalement oui. Allez, au revoir Insectoraga. J'ai envie de dire Yatta. Donc Yatta en japonais ça veut dire... Youpi. Ou que vous êtes content de quelque chose en fait. Donc voilà, ben c'est cool. Je pense qu'on va pas s'arrêter là. Hein. Ça doit faire peut-être... Ah, on a 8 minutes de vidéo, pardon. Donc on va continuer un petit peu. On va voir ce qu'il propose à la boutique. Voir s'il y a des nouveaux paquets, genre de choses. Qu'est-ce qui serait intéressant pour notre deck? Serigold. Dommage, il n'y a pas le booster de Yugi. Je ne comprends pas pourquoi, en fait. Si quelqu'un sait, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Parce que là, je ne sais point. Ça, c'est Premium Pack. Ok. Héros élémentaire, celui-là on l'a pris. Celui-là on l'a pris, celui-là on l'a pris. Et il n'y en a pas un deuxième. Non, 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 non. Je ne sais pas si celui-là on l'avait pris. Ou celui-là. Ah franchement je ne sais plus du tout. Ouais, c'est dommage, je ne sais pas. Ouais, ben je ne sais pas, je m'en souviens plus. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que j'avais pris comme deck dans l'épisode précédent, parce que je me rappelle plus tout simplement. Et je pense qu'on va économiser quand on fera le deck de Jaden et de Kaiba, je pense, ouais.
parce que ouais, ce serait intéressant. Donc c'est tout, je quitte ça. Bah on va continuer un petit peu, on est qu'à 10 minutes, pardon. Je pense qu'on va faire un tag duel. Alors bah tiens, on va se battre contre Hanzo Masaki. Donc un tag duel, c'est parti. Donc pour l'événement, je pense que c'était plutôt cool. Événement, la moitié de vidéo et l'autre partie de vidéo, on fait un peu de tout. Je pense que ça peut être pas mal comme ça. Ah, excusez-moi, j'ai mon portable qui sonne, je reviens. Tout le monde, c'est bon, je suis là. Je pense que je ferai une coupure. Alors, faut faire attention parce que Théa, elle a un deck magicien aussi également. Donc, ça va être compliqué à la contrer. Surtout que là, elle envoie pas du caca. Curibo, ça c'est bien ça. Et oui, donc il a bien eu raison de ne pas utiliser la force miroir. Donc tout simplement car avec sa carte magique, donc quand ils ont des je sais plus comment qu'on appelle ça, mais vous voyez, ça fait x3 sur carte magique de terrain. En fait, en gros, ça protège ces cartes monstres magiciens en fait. Et pour pouvoir par exemple le détruire avec une force miroir, il faudrait qu'ils utilisent les trois points. Voilà. Donc là, je vais poser ça également. Voilà, je pense qu'on connaît pas mal. De plus, j'ai un Kuribo, donc pourquoi pas, pourquoi pas. Donc on a le magicien noir du chaos, l'enchanteur également. Donc voilà. Non. Non, non, non. Oui. Non, voilà. Je préfère pas utiliser la force miroir pour pas faire de bêtises. Ah, un petit trou noir. Ah non, c'est pas vrai. Ah, un deuxième Kuribo. Ah, ça c'est cool. Toro. Ah. Je sais pas si je vais pouvoir la détruire. Bonne question ça. Je sais pas du tout. Je laisserai faire Yugi pour voir ce qu'il fait avec. Car je sais pas du tout. Bon allez, vous inquiétez pas, on va se refaire sur ce duel. J'espère qu'on va reprendre le dessus. Une pioche de la destinée. Ouais. Ah non! Dommage.
Non. Oh putain, la force miroir. On est dans la merde. Bon, ben on a perdu. On a perdu. C'est pas grave. On a quand même gagné 113 d'épée. Donc pourquoi pas. Mais tiens, vous savez quoi? On va reprendre notre revanche. Allez, je pense qu'après ce duel, on va s'arrêter là. N'hésitez pas surtout à me dire si vraiment ça vous fait kiffer ce let's play. Duel. Ça va. Pas mauvaise les cartes. On a eu pire. Ah, c'est 7 TA par contre. Aïe aïe aïe. Oh là 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 là. Non, me dis pas qu'elle va invoquer le magicien. Non, ça va. Toro. Ah, bien, Yugi. Ah, t'aurais dû détruire l'autre. Tant pis, c'est pas grave. Ah, mais si. Si elle invoque pas de monstre, elle. Pourrais invoquer ma magicienne. Aïe, aïe, aïe. Elle va l'invoquer. Non, ça va, ça va. Par contre, on va prendre cher après. Ouais. Ça, c'était sûr. Allez, à moi de jouer. Oh, ça c'est beau. Allez, un petit trou noir. Et hop, au revoir. Gardien celte. Recyclé. Donc c'est parti. Pas de piège. Aïe. Ça fait mal. À droite? Ah putain non. Tant pis, c'est pas grave. Donc je compte sur Yugi après. Cette carte-là, il faut que je regarde sur le net comment qu'on s'en sert parce que je sais pas exactement. Parce qu'il me semble elle est pas sortie en France. Enfin, elle a pas été éditée. Peut-être au Japon, mais pas en France en tout cas. Donc faut que je vois comment qu'on peut s'en servir. Ah mais c'est bien joué ça. Alors attendez. Ah je sais pas, je sais pas. Moi aussi je vais pouvoir invoquer un monstre normalement. Eh oui. Par contre, je sais pas si je peux l'invoquer en mode défense. Là est le souci. Je peux l'invoquer en mode défense ou pas? Ah, je sais pas du tout. Je sais pas, je sais pas.
Bon, je teste. Ah non, mais je savais. Ah, je m'en doutais. Je m'en doutais. Ah, tant pis, c'est pas grave. Donc, je compte sur toi, Yugi. Piège à destinée, il va y avoir une force miroir. Ça, dans les dans la série d'Attack Force, c'est un truc que j'adore, la pioche de la destinée. Ah, mais c'est énorme ce qu'il a fait. Je comprends pas pourquoi elle a mis en mode attaque. Ah oui, d'accord, je comprends mieux. Parce que soldat de l'éclat maléfique qui peut attaquer deux fois. Endor. Bravo Yugi, tu nous as bien monté là. Donc lui, elle a des cartes assez, enfin elle a des cartes assez puissantes. Ça m'embête un peu ça. Ah voilà. D'accord. Ah mais j'ai compris en fait, ça sert à quoi maintenant? D'accord. Donc si j'ai bien compris, elle piège les monstres, donc les monstres qui ne peuvent pas attaquer, ceux qui dépassent les 2000 d'attaque. D'après ce que j'ai compris, c'est ça. Donc on va activer l'effet. Celle-ci. Ah merde. Ah mais j'ai fait une connerie là. J'aurais pas dû. Ah, c'est vrai que c'est pas facile hein, que les cartes soient en japonais et en anglais. Bah je peux pas vraiment lire les effets. Donc en fait, l'effet du soldat de l'éclat maléfique permet en fait, quand on l'active, d'utiliser, enfin, bannir n'importe quelle carte sur les terrains, mais on peut, mais le soldat ne peut pas attaquer. Yosh! C'est bon. On a notre vengeance, mes amis. You win. ,182 d'épée. Waouh. Franchement, on gagne beaucoup sur ce jeu. Et on a monté en cœur. Ça, c'est génial. Donc voilà, je pense qu'on va s'arrêter là pour le quatrième épisode. J'espère que ça vous a plu. Donc je pense que là on a fait pas mal de duels, plus l'événement de Yugi, donc qu'on avait affronté Mako et Insectoraga, on les a littéralement éclatés, on va dire. Donc le deuxième
duel qu'on avait perdu, mais sur le troisième duel, on a pris notre revanche. Donc voilà, ben j'espère que ça vous a plu. Moi, je vais tourner à la suite deux autres épisodes, peut-être trois, je ne sais pas. Et donc voilà, ben sur ce, moi je vous laisse là. Je vous dis, ben, amusez-vous bien. N'hésitez pas à mettre un petit like, à la partager, à vous abonner si vous me découvrez grâce à cet épisode-là. Et sur ce, moi je vous dis, amusez-vous bien. Arigato. Ciao.